This week at Château de Purnon, the finishing touches are added to our shea roof. Flick weaves her magic to repair some wood panelling. The Château's incredible window shutters are fine-tuned after returning home from restoration. And disaster strikes one of the domain's fragile walls. It is now 1 month to the day since we started the restoration of the Château's shea roof. Now, if you've just joined us here and you'd like to know more about the shea, what it is and what this restoration has been, I'll include a link to all the videos that we've previously done in the description below. But in brief, the shea is the Château's wine barrel room and the roof had completely collapsed. And when we started the restoration here, it also became obvious to us that the facade needed to be completely dismantled and rebuilt because it had separated about 30 to 40 centimetres from the building. It also had to be done because the large lintel or the large oak beam that supports the gable on top of the entrance had completely rotted through and needed to be replaced. So this week our roofers have got nearly to the finish of restoring the roof. They have another couple of days left, and mainly the work that they've got left is the gable and the support beams that support the gable. Our stonemasons have been
unbelievable. So they completely dismantled the facade and the large entrance archway. And this week they have rebuilt the entire archway. They still have the brickwork to go above the stonework on the arch, but at the moment this has allowed our roofers to get the support beams in that support the gable and get the roof finished. So we are so close to being able to say that we saved the Chez. Not yet, but hopefully next week. Donc la finition du faîtage, donc c'est à base de chaux, sable et un tout petit peu de ciment. Voilà, chaux blanche. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on fait des liserés à la chaux, ça s'appelle la rembarrure, tout ce liseré là. Et celui-ci, on appelle ça nous crête de coque. Voilà, donc je vais en faire une crête de coque, je vais vous faire voir. Donc c'est pour faire l'étanchéité entre les deux faîtières, parce que c'est des faîtières où il n'y a pas de recouvrement pour l'étanchéité entre les deux. On façonne un petit peu à la main, voilà. Et après, avec la truelle, on façonne. On façonne la chaux. Oui, c'est la dernière. La toiture n'est pas finie. Ça sera fini au plus tard mardi. Voilà, mardi, on pourra mettre le bouquet de fleurs sur le toit. Ça sera la tradition. Donc le versant, entre ce versant côté ouest et le versant côté nord, côté ouest, on a pris toutes les tuiles qui étaient déjà positionnées, on va dire, vers le soleil, vers les intempéries. Alors que versant nord, comme on a tout refait entièrement, on a pris que les tuiles qui étaient dessous, enfin les tuiles canal. Donc c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus blanches. Mais dans une dizaine d'années à peu près, elles seront tous de la même couleur. C'est ça, puis après celle-ci, il y aura un petit peu de mousse, il y a un peu, même si on a enlevé le plus gros de la mousse, il y a toujours un petit peu de mousse qui est restée. Parce que celle-ci, comme c'est les tuiles canal, elles étaient positionnées sur les voliges, donc elles n'ont jamais vu le soleil, ni l'eau, donc il n'y avait pas de mousse. Voilà. Not a very good week. I feel like it was bound to happen though. Yeah, well, obviously the former owners knew that it was a problem because they put all this earth against the side and put this concrete render on it. To stabilise the stonework. Yeah. Yeah. Well, and it had such a lean in it. Like our stonemasons had said that it was... It was pretty obvious it was going to fall at some stage. It had the... I kind of hoped it would last a little bit longer. Yeah. So I guess for us, the question is can we make a blessing out of it? We know we're going to have to do something at some stage. And now it forces us to really think about this eastern border of the property. Maybe it gives us the opportunity to lower this wall. I don't know. If we don't redo the wall in its same form, this stone could be used to restore some of the other stone walls around the domain. Yeah, so it's obvious this whole precinct has really changed since the construction of that building there. Yeah. And so some of these walls definitely are not original walls. I guess in a sense the inevitable has happened. Yeah. And even if we'd got onto it earlier, the stonemasons still would have had to, have a controlled fall in order to be able to rebuild it. I mean, that's the thing. The lean in it was terrible. Yeah. Like you can see here, that's the only part now, you can see how bad the lean is, but you can still see there where it hasn't fallen, that it was very precarious. Well, at least now it's not a danger, as in it's not going to... It's not good. Shouldn't, yeah. We might get a bit of slippage from that end piece, but
Yeah. Maybe we'll just fence it off and keep it secure. I mean, I love the ha-ha up here. Yeah. And the view that it provides from the orangerie. Perhaps the solution here is another version of the ha-ha, yeah, where this earth is removed, the wall is not built as high as it originally was, and we protect the view from the, you know, looking out to the east, but we still have a wall to maintain the integrity of the property. Yeah, I think that would be really nice as well. Well, the architect's here on Monday. I'm sure he'll be intrigued, yeah, to see what on earth happened here. I guess we just had so much rain in the last week, and, you know, days and nights of high wind. Well, and it also, these walls, the water gets into the wall, the earth gets into the wall, and just over time it undermines its stability. Yeah. Oh, well, babe. Well. Crap. Plus qu'il y a sur les côtés. À peu près 90 paires de volets, à peu près. Voilà, déjà ils ont été numérotés, tous répertoriés sur un plan, afin de pouvoir les retrouver quand on les démonte, pour pouvoir les numéroter, et pouvoir enfin les retrouver chacun à l'atelier et pouvoir les remettre à la bonne place après. On a fait une prise de côte aussi sur place, vérifier que il y a toutes les quincailleries dessus, voir s'il y a besoin de les recouper ou les pièces qu'il y a à changer. Ensuite, on les ramène à l'atelier. À l'atelier, les volets, on va faire un état sanitaire. Donc, on va prendre chaque volet un par un et on va noter les pièces qu'il y a besoin de changer, s'il y a besoin d'en changer. Et on va faire donc un petit tour sur site, à l'atelier, pour vérifier vraiment tout ce qu'il y a à refaire. On a réussi de garder beaucoup de les volets d'origine, oui. Il y a une partie qui était neuf aussi, oui. Une partie de neuf. Après, il y a beaucoup d'anciens qui est récupéré et qu'on réutilise. Le but, c'est de garder un maximum de vieux bois et pour garder l'âme du château. Et puis après, on change ce qui a changé, on refait ce qu'il y a à refaire. C'est poncé un par un. C'est un travail fastidieux. Et ensuite, on a donc fait la restauration, puis ils ont été repeints. Les quincailleries ont été refaites aussi par un ferronnier d'art. On est venu les réadapter sur les nouveaux volets. Et ensuite, c'est là que nous, on entre en jeu. On vient emmener les volets pour les installer, les mettre en place. Et une fois qu'ils sont installés, il faut ce qu'on appelle nous les remettre en jeu. Donc, vérifier que toutes les quincailleries fonctionnent, que tous les volets fonctionnent. Donc là, on a les volets avec des espagnolettes. Donc le but, ça va être d'avoir... Hop. Un crochet qui va se prendre dans une tige. Il y avait aussi un système de fixation pour pouvoir garder les volets ouverts. Oui. Il y en avait beaucoup de différences sur toute la façade. Et on a essayé d'unifier, de regarder ce qu'il y avait le plus. C'était un système de crochets, en fait, de petites barres qui viennent se prendre dans un anneau et qui bloquent le volet ouvert pour pas qu'avec le vent, oui, il puisse bouger. Ouais. Qu'est-ce qui se construit? T'es venu? Thank you.
And don't forget, if you'd like to follow the restoration of Purnon more closely, we post a daily update in our Instagram stories. If you'd like to support the restoration project here at Purnon, we post an exclusive weekly video over on Patreon. Otherwise, just hit the subscribe button and we'll keep you updated here.